Quelles sont les années que tu as préféré suivre en Formule 1? La fin des années 90. Triple les touches du clavier. Non mais ça va. Chaque clavier mécanique, il fait du bruit, évidemment. Vous êtes mort, vous. Alors. Merci pour la M6. De rien. C'est mon job. Non mais. Alors, soyez attentifs au nom de la session. Déjà, la session Walter White me fait énormément rire. Eh non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors. Et du GT3 Hockenheim. Et c'est verrouillé, quel dommage! La déception. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Bah écoutez, non mais pas du tout. Il y a un suspense. Pas faire de groupe 5 sur la Nordschleife. En fait, je cherche où il y a assez de place si des gens veulent venir. J'avais pas vu qu'il y avait un mot de passe. MDR. Qu'est-ce qu'on a? Du GT3 à Brands Hatch. Non, on va créer une partie. Comme ça va être bien. Donc confidentialité publique. Alors. Pas de mot de passe. Nom du salon. Maxou. Comme ça va être bien. Alors, on va faire un événement sur 6 tours. Pas d'IA. Hein. Alors. Alors, on a fait déjà du GT. Ah, tiens! On va commencer comme ça. Calmez-vous, calmez-vous. Bon. Je cherche, hein, je cherche. Vous êtes prêts? À vous de jouer. Salon Maxou Formule C 6 tours de course à Watkins Glen. À vous de jouer. Tony a été rapide. Oui, alors ceux qui m'ont un ami sur Steam, il faut avoir plus facile. Sur les 6 dernières saisons, on a connu les plus incertaines, mais aussi les plus chiantes.
Ah, en Formule 1, j'imagine. M4, la pub, t'es vite, t'es gentil, merci. Ouais, il a l'air d'être hébergé sur ma connexion, donc on va voir si ça plante, et bah tant pis. Si ça rame de trop, et bien on prendra un serveur différent. Bon, il y a Candy qui a trouvé? Je dis bonjour à ma maman. Le pire. Bon alors, il y a Candy qui a trouvé ou il y a personne qui joue à Pécard ce soir? Serveur Maxou. C'est pour te sens pas compliqué. Non, M4, mais tu en parles. Bon alors, ça vient ou? Ah non, me dites pas que j'ai limité à deux joueurs comme un con. Alors un instant, un instant. Est-ce qu'il est possible que j'ai limité à deux joueurs, hein? Mais non, on était plus. Comment ça se fait? Non mais please! Project Cars, la nullité. Et oui, 2 sur 2, forcément. Voilà. À vous de jouer maintenant. Je t'ai pas en ami, Maxou. Pas de soucis, suffit de prendre la session Maxou et d'y rentrer. Ah oui, Nicolas qui bien sûr ne manque pas de me faire remarquer que j'étais un imbécile. Effectivement. Tout passe par la fibre en Belgique. Je sais pas, je verrai. Si ça claque, tant pis. Ah, mais on est déjà 13. Ah oui, donc il y a masse gens en fait. Voyons. On était bien mieux à deux, Maxou, c'était romantique. Oh. Si tu savais. J'ai pas Pécard. Le kart, c'est comment? Dégueulasse. Normal, les barres rouges. Bah, ils ont qu'à pas avoir des connexions du tiers-monde ou du fin fond de la Wallonie. Et maintenant, la connexion de Maxou va être en PLS. Ah oui! Si le jeu plante, si le stream plante, si tout plante. Voilà, hein. J'aurais bien été sur un serveur de PLM, mais bon, pas vous donner le chat non plus. Alors vous pouvez profiter du chat ici, mais aussi du chat là. C'est ça qui est génial. Oui, j'ai vu Cartcraft. J'ai hâte de l'essayer. Bon, on go? Allez. On est 14, vous pouvez toujours rentrer. Objectif pour 2017. Un 55-300. Setup par défaut, oui, je pense. Tant pis, réglage par défaut. Allez, que le meilleur gagne. HS Genesis, pourquoi je m'énerverais? Je vais être zen. Vous avez jusqu'à 3 minutes avant la fin de la qualif pour rejoindre. Tout simplement. J'ai les pires modos du monde. J'ai les modos les plus pervers de l'humanité. Salut Suzaman, merci. On se voit au mois de juin.
Effectivement. Alors, nous sommes 14. Il n'y a pas de setup, donc c'est à qui aura le mieux. Voilà. Oh là là, ah oui, oh oui, d'accord, ah bah oui. Les pneus froids. Oh là, oh il y a du lag, oh il y a du lag à foison, ça va être injouable. Allez, go! Ça, c'est un petit miracle ce qui s'est passé là. Ah, attention! Regardez dans vos rétros, les gars. Il y a des gens qui arrivent. Mal optimisé, Pécard, non, ça va. Et on est 17, ça va. Hein. On vous rappelle, vous pouvez toujours rejoindre, hein. Pas de soucis. Bon, c'est un peu plus à l'arracher son setup, mais voilà, c'est plus marrant. Bon, là devant, il y a du monde. Là devant, il y a du monde. Allez, il vous reste encore 3 minutes si vous voulez rejoindre la partie. Salut Dread! Compliqué, hein. Bon, on est P3 pour l'instant.
J'aimerais bien voir où j'en suis, voilà. Ça va, on est pas mal. On a le pneu avant droit qui est un petit peu froid. Allez, 4 minutes 30. Il vous reste une petite minute 30 pour venir nous rechercher. Si vous voulez participer à la course, on est déjà 18. Voilà, il y a des connexions des enfers, là. Ah, on a souffert du côté des plots. On est tombé P5. Bah dis donc. Allez, 35 secondes. Et il y a les dégâts, donc vaut mieux éviter de taper. Hein. Ah, il va y avoir de l'action, c'est pour ça que j'ai choisi cette piste. C'est parce qu'il peut y avoir beaucoup d'action. Allez, j'aimerais bien le dépasser avant. Là, on a une piste bien dégagée. On va essayer d'améliorer un petit peu. Fini. Allez, on est troisième. On espère au moins partir. Allez, dans le top 5, ce serait pas mal. On est 20. Et Guigui, notre Québécois le plus rapide. Lui était...
Était troisième, mais on est pas si loin que ça, finalement. Alors, on a mis 5 minutes de warm-up pour être sûr que tout le monde puisse faire ses niveaux. Ce serait dommage qu'on ait des voitures qui tombent en panne. Donc, il y a 5 minutes de warm-up. Les chronos, vous les avez là. Donc, nous, on est en 1-0-3-3, ce qui est correct. Ça va, c'est pas... Ça va. Il y a pire. Cinq petites minutes de warm-up au cas où il y en a qui souhaiteraient. Voilà. Ouais, j'ai laissé le warm-up avec les setups par défaut, dans le doute, on sait jamais, mais ça permet à ceux qui ont un peu moins l'habitude d'avoir 5 minutes en plus de roulage, et c'est parfois pas de trop, comme on peut voir. C'est parfois pas de trop. Non mais le warm-up il est pas fait pour les réglages les gars. Le warm-up il est fait pour ceux qui ont du mal et qui cherchent encore les repères, qui voulaient juste jouer avec moi, qui connaissent au moins un petit peu la piste. Ceux qui arrivaient en fin de qualif par exemple. Au moins ils ont au moins 5 minutes de roulage avant de partir en course, qu'on n'ait pas un tatouin monumental au premier droit. Donc voilà, c'est pour éviter que, voilà, quand ça cherche encore un petit peu la trajectoire comme ça, ils puissent au moins s'y retrouver un minimum. Sinon, ça n'a pas d'intérêt, évidemment. Premier virage, est-ce que d'être compliqué à passer? Bah non, ça va, hein, quand on est... Quand on est en 3-4ème position, on peut encore essayer de s'en tirer, nous, mais derrière, ça va être plus compliqué. Tu vas stream demain? Pas du tout! Pas du tout. Demain, je prépare le Super Touren Wagon pour ce samedi. La manche d'Albi en France. Donc demain, pas de stream. Hein. Faut pas pousser mémé avec l'eau du bain dans les fougères. En plus, oui, c'est connu, je stream tous les jours. Ah, pourquoi pas, ça pourrait devenir un peu plus fréquent. Qui sait? Il y a moyen de rejoindre là maintenant. Ah non, c'est terminé là. On peut toujours essayer, hein. Le serveur s'appelle Maxou. Tu peux toujours tenter d'y rentrer. Si tu m'avais percuté, Guigui, je t'aurais tué. Oh! Allez, mémé avec l'eau du bain. Bon, allez. On va voir avec ce magnifique... ce magnifique outil. Oh là là, il y en a qui ont des... Oui. Le simulateur de vomi, pour certains, c'est compliqué. Moi j'aime bien ces formules C, elles sont vraiment sympas. C'est une bonne alternative à la Formule 3, je trouve. J'aime bien. Possible de jouer à Pécard avec un joystick. Bah ils le font sur console, hein, donc c'est jouable. Bon ça va, ma connexion tient bien le coup, hein. Je suis plutôt content. Ça va. Le stream n'est pas en PLS. Pas un pet de drop. Ça va. Bon alors, la fin de la session de warm-up qui ne sert à rien parce que, effectivement, on ne peut pas faire de réglage. Mais, pour les pilotes qui n'ont pas d'expérience, ils auront au moins fait 2-3 tours sur le circuit avant de s'y lancer. Ça évitera les catastrophes dans les premiers S. C'est pour ça que je l'ai maintenu, évidemment, plutôt qu'autre chose. Mais c'est bien sans setup aussi, parce que voilà, le pilotage fait aussi un petit peu la différence, c'est pas plus mal. C'est un peu moins RPE, mais bon, c'est plus sympa. T'as déjà joué à FSX? Non.
C'est vrai qu'il faudrait des modos pour modérer les modos. Parce qu'ils deviennent graves les deux là. Vous serez peut-être 3 bientôt. Allez, c'est fini. On va donc partir pour 7 petits tours. Je pense. 6 ou 7 tours. Ça va aller vite, hein, puisque le circuit est pas rapide. Il fait 1 minute 15, donc... On aurait peut-être pu mettre un peu plus de tours. Mais quelques manches sprint, c'est pas mal. Surtout si d'autres veulent rejoindre après, vous pourrez toujours venir vous tenter. Oh, on part très loin sur la deuxième grille. Mais bon, on part à l'intérieur, c'est pas mal. Oh, le départ. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Oh, mais faites gaffe, un minimum. Bon, bah, en tout cas, grosse course, hein. Ah, Toto, évidemment. En tout cas, ceux qui se demandaient, en fait, pourquoi je ne fais pas de course en ligne, en fait. Et où ça met du temps à venir. J'en fais pas souvent, Maxou, ça nous manque. C'est pour ce genre de choses. Vous avez vu le temps qu'on a passé avant? On a passé quoi, 20-30 minutes? Et le résultat, c'est ça, quoi. Donc je peux pas, moi, jouer dans ces conditions-là. Et je partais troisième. Je vais pas leur ruiner leur course, ça sert à rien. Je sais même pas ce que j'ai, si j'ai une rotule de cassé ou quoi, mais c'est horrible, quoi. Je pense qu'on va désactiver les dégâts pour la prochaine, parce que c'est pas possible. Ha ! AM4 qui rage, hein, grosse team la NRT. Alors, j'ai pas vu les pseudos de ceux qui avaient eu des soucis. M4 qui est en rage. Box, box, sans déconner. Box, box. Est-ce que vous croyez que j'allais continuer comme ça, moi? Maxou, out, tellement. Malheureusement qu'elle fait que 5 minutes, hein, les gars. Ah, un problème de batterie. Bah forcément, elle a dû rester au turn 2, la batterie. Ah, gros jeu, un Project Cars, effectivement, c'est bien réaliste. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, doucement, doucement.
tout va bien. J'ai peur, je vais pas y aller, j'ai peur. Ah, j'ai bien fait de pas y aller, tiens. Salut BMX Yolo, merci d'être passé. Eh, ils sont forts les mécanos, hein. Bon, prochaine course, promis, on enlève les dégâts. Et on met les setups. Parce que là... Après, le crash était beau. Mais après, je comprends pas que des pilotes arrivent à fond de balle au premier freinage. C'est ça le problème. Mais bon, va-t'en vérifier qui c'est après. Oh là là. Il y a des gens qui sont perdus, je pense. Il y a des gens qui sont perdus. Ils sont dit, tiens, ils ont vu de la lumière, ils sont rentrés. Ils ont dit, oh, il y a des voitures. Génial. Oh là là. En plus, ça va, c'est pas la voiture la plus compliquée à piloter, quoi. Moi, si ça vous fait marrer, c'est le minimum. Ah, le départ était radical, quoi. Ah oui, d'accord. Donc, on part sur une course... d'accord. Ils ont Maldonado comme idole, je pense. Oh là là. Cet rebondissement de vibreur. Une catastrophe. La nullité. Ah mais dites-vous que moi j'étais 4 quoi. J'étais P4, j'étais bien. 350 mètres. Salut. Ça, c'est dommage. Il y a quand même une voiture qui a fait un tonneau au bout de deux virages. C'est vrai que ça, c'était compliqué. Bon, bah, les résultats. Félicitations à Valentin Traguin, qui a remporté la course devant Seigneur Mélino pour le podium. Et tous les autres. Quand même sauvegarder le ralenti, parce que là, il y a du souvenir à se faire. J'ai fait un strike. Mais moi, j'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai fait la 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 la. Bon, alors. Oui, on va d'abord aller dans les setups qu'on n'oublie rien. Qualification, le warm-up. Alors. Pas de réglage par défaut, c'était ce qu'il fallait changer. Et les dégâts visuels uniquement. On va pas mettre les pénalités parce qu'on va pas faire non plus trop dégueulasse. La voiture. Non, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme voiture? On va faire du LMP2. Ouais, Seigneur, t'avais pris un bon départ. Mais malheureusement, tout le monde avait pris un bon départ, mais on n'a pas laissé le temps à chacun de s'exprimer. On va faire un truc parce qu'en multijoueur, je pense pas que vous ayez besoin d'investir dans les packs. Donc je vais vous faire un petit plaisir. C'est qu'on va faire du V8 Supercar sur Bathurst. Et ça, c'est beau.
C'est vrai que cette livrée est juste magnifique. Voilà. Alors, classe de voiture, V8 supercar, voilà, c'est très bien. Allez, go! À vous de jouer. La fatigue. Bon. Let it snow, let it snow, let it snow. Allez, viendez les gens. Serveur s'appelle Maxou, hein, évidemment. Tony qui annonce la couleur. Je vais être à chier, je le sens bien. Le slogan des modos et de la communauté de Maxou. C'est quoi ce slogan? Là, on voit les gens qui ont des mauvaises co. Ah oui, là, c'est ça souffre un petit peu là. Encore des vidéos sur des jeux PS1. Ouh, c'est pas près d'arriver, Wastrick. Des jeux PS1 émulés, ouais. Let it snow, let it snow, let it snow. Tiens, du rose sur ma voiture. Ah. Eh, vous êtes 14, allez. Jeanne d'Arc. Oh, pitié, tuez-moi. Ah, bah, ceux qui ont jamais testé la Falcon, vous allez vous marrer, hein. Elle envoie du lourd. Elle vaut la peine. Elle est gratuite, hein, mais bon. Elle vaut son prix et bien plus. Contrairement à d'autres qui sont payantes et qui sont dégueulasses. Ah. Dredd est arrivé. Ça glisse doucement le pied droit. Eh oui. C'est vrai que là, 15 pilotes à cette heure-ci, avec cette voiture-là, sur ce circuit-là. Difficile. Oui, Wastrick, le test arrive la semaine prochaine. Ah, le slogan est le la 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 que tu as sorti quand tu es rentré. Ah ouais, Kids Land, en effet. Oui, Jérémy, c'était quoi la demande là? Parce que il y a une demande qui traîne depuis tout à l'heure. Je vois passer ça en coup de vent, mais. Effectivement, je n'ai pas eu le temps de réagir. Bon. Pluie de setup. Alors. Ton imitation de DSK, ça faisait longtemps. Oh, va falloir arrêter un moment, faut le laisser tranquille cet homme-là, hein. Je sais même plus combien on a mis de tours en course. C'est pas le sujet.
Ah non, parce qu'en fait, je serais un peu plus dérangé si on me parlait dans l'oreille plutôt que moi regarder le chat. Parce que le chat, je le regarde en fait quand j'en ai l'envie ou le temps. Tandis qu'un modo, enfin, quiconque me parle dans le chat en audio pourrait me déranger ou à un moment où je dois être un peu plus concentré en fait. Donc merci pour la proposition, mais non. Imite le JDG, non. Oh, c'est pas une mauvaise idée, hein, mais c'est bien de proposer. Il faut vous écouter. Si vous avez des idées, il faut les proposer. J'ai réussi à la planter, c'est quand même fort. Attends qu'elle est pas chaude, hein. C'est compliqué. Moi, ce que j'adorerais, sincèrement, c'est que cette Ford Falcon, du moins du V8 Supercar, soit proposée dans Race Room. Comme pour moi, ça reste les meilleurs en termes de touring car. Si elle pouvait venir nous dire bonjour dans Race Room, ça me ferait vraiment, vraiment kiffer. Ah là là, si j'avais l'esprit aussi mal tourné que vous, je m'en sortirais jamais, je pense. Oh mais j'ai à peine touché le vibreur, elle est déséquilibrée. Vache. Allez! Qu'est-ce qu'elle glisse? Ah! Ça a été très serré le mur. On va y aller mollo. On va tenter de rentrer un chrono avant tout. On en parle du fait que je touche que je flingue les pneus là ou pas? Chaque fois je suis proche de le toucher, il faut que j'arrive à le passer sans le toucher ce premier vibreur à gauche.
Non, trop loin. Ouais, heureusement qu'on a désactivé les dégâts, en effet, ouais. Bonne nuit, Astrid. Merci de m'avoir accroché, on a fait le carambolage du siècle. Mais j'ai touché personne, moi. J'irai voir le replay, hein, mais... Les V8 supercars de Grid Autosport étaient en effet pas mal, ouais. Bon, on est en 2-12-8, bon. Pas la folie, quoi. Ça glisse de trop, de toute façon. Grid, ils ont vraiment fait spa à l'envers, oui! N'oubliera pas de mettre le replay sur YouTube, mais bien évidemment que non. Je tiens à m'excuser à tous ceux qui verront cette VOD. Et des propos tenus sur le chat, parce que... Mon Dieu, pourtant que la montagne est belle. Les pires. Bon. Qualificazione terminée. Et on se retrouve à une très belle sixième place. Non, ça va. Ça va être la mort d'ici 20 petites minutes, quoi. Ça va être la mort. Je pense qu'on est à 8 tours de course. Hein. Go, go, go. 8 tours la course. La VOD Peggy 18. Mais ça va, je dis pas de bêtises, c'est vous qui racontez. Au pire, je mets un petit carré noir en dessous et c'est bon. J'aime bien les gens qui disent « Ouais, mais ça va, il est tard. La VOD, elle va publier à 16h. » Donc l'excuse de « il est tard », ça passera plus trop, quoi.
Et on va encore être 23. Ah non, ça passera pas. Oh, il est fou lui. À freiner en plein milieu comme ça. Pas mal. Je devais modifier un réglage qui vient de me sauter au niveau de l'esprit, mais je ne sais plus ce que c'était. Oh putain, t'es mano. T'as pas osé, quoi. GG pour le tête à queue, tu es dans le thème du chat. Ah, elle est pire, quoi, elle est pire. Mais bon, vous êtes drôle, c'est marrant. C'est le principal. Ce qui me fait marrer, c'est qu'il y en a qui viennent en team, quoi. Enfin. Non, t'es mano, c'est ton calcul qui m'a fait rire. Pas tes calculs, hein, ton calcul. Il reste que les pires. Oui, là, on est dans le... Là, vous êtes 60, mais je pense que c'est vraiment le... Le noyau dur. Le noyau dur des abonnés, quoi. Excusez-moi, hein, j'ai fait un tweet, je regarde s'il y a du peuple et que ça intéresse. Pas du tout. Ah si, quand même. Navré, ça ne se fait pas en live, mais moi j'ai une excuse. C'est que je suis un professionnel. Ah, vous n'avez pas vu la photo, hein, vous ne savez pas ce que c'est. Allez, Dreisgunden. Ça va être la fin du monde. Préparez vos VOD. Eh bien, c'est bien triste à toi si tu... Ah, toi, si tu connais pas ce calcul, AT, dommage. Bon. Ne pas mourir. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette bagnole. Je voulais éviter l'extérieur. Ça se passe bien. Ça se passe même très bien. Je prie pour qu'il m'ait vu. Non, le vibreur des enfers. Non, comme ça, un partout avec celui de devant.
J'étais pas en deuxième. Bon, j'ai une boîte un petit peu plus courte. On va voir. Si je le paye ou pas, ça va. Bon bah statu quo. On n'a pas pu en profiter. On a failli gagner une position, on vient de la reperdre. Ah, on va peut-être la regagner vu comment c'est parti. Oh là là, mon dieu. Que c'est compliqué! Ah, s'il me touchait, c'était en tête à queue direct, quoi. Il me pousse! Il me pousse! Lâche! Lâche! Oh putain! Ah, 3, ça passera pas, messieurs! Ah non, mais faut me lâcher. Oh mon dieu. Oh lui, il est chaud, Cédric. Si tu es sur le live, Cédric, quand on ferme la porte, tu te calmes. Voilà, et maintenant les deux devant vont partir et devant... Ah ! La dérobade ! Je l'ai tenue, je la tiens encore, je la perds, je l'ai perdue. Non mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a des dégâts ? Mais comment c'est possible? Ah, j'ai eu une phase là où... c'était horrible. Ah, il aurait pu lâcher quoi, sans déconner. Il voyait que j'étais en train de fermer. Bon, Duck Boy. Monsieur Canard. Bon, j'avoue, j'ai peut-être été un peu trop à droite, mais bon. Mais c'est pas le bordel, calmez-vous. Un beau sandwich à la sauce Maxo. Une fois de plus, je tiens à m'excuser auprès de ce que vous allez lire sur le chat dans cette VOD. Bon, il y en a dans tous les côtés, devant et derrière. Non, surtout ne viens pas me chercher. Dans une spirale de nullité. Et j'ai plus de freins, j'ai plus rien sur les freins, elle bloque, c'est horrible. Oh, il y a de la fumée. Oh, ça a tapé devant. Et c'est toujours pour moi, hein. Il va rester à l'intérieur. Il va m'emmener avec lui, hein. Putain, mais Cédric! Alors, faudra m'expliquer le retour de force. Dans le petit S, là, en fait, je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup moins de sensibilité dans le volant. Et, enfin, je sais pas. Peut-être le délestage. Et j'ai le volant qui tape directement des deux côtés. Non, mais Cédric! Tu...
content de faire des Guillaume. Salut Mimi Souris. Merci à toi d'être venu animer le chat et passe une bonne soirée. Voilà, c'est comme ça que je devais le prendre. Smooth. Et c'est toujours pour moi, Maxou. Eh oui. Non mais je l'ai vu là, le Cédric. Tu es moi. Ah, et Tony qui arrache quitte. Bon, on est P6. C'est pas fini, cette affaire. On va bientôt arriver à la mi-course. Je sais pas, il y a un petit setup que je dois changer quand même sur la le rebond parce que je prends trop de distance. On n'est plus à ça près de toute manière, donc c'est pas grave. Je ne désespère pas de ramener pourquoi pas un top 5, ce serait bien. Salut Alpha V35, bienvenue. Voilà. Et de 1. Et de 2. Même si le deuxième était un retardataire, c'est passé. Ah. Ça va, au niveau de la température, on est bon. Ah, mais les freins dans le premier go, je les perds, bordel. Allez, allez, allez. Quel calvaire cette bagnole! Je suis en train de perdre mon pneu avant droit, ce qui est vraiment pas le top. Le poster derrière toi est magnifique. Alors si c'est celui-là, j'imagine qu'on ne voit que celui-là, merci. BMW 92, non, c'est la M3 DTM de 2012. Si j'arrive à ramener le moteur en un morceau, ce sera pas mal. Oh, allez, passage de puissance, ça passe. Vraiment, je me méfie sur les freins parce que je suis en train de perdre le train avant et elle ira pas au bout. Ah oui, elle s'ouvre de ouf, c'est terrible.
problème, c'est que le garçon derrière, là, Hawk, il a pas demandé son reste, hein. Non, je suis pas en séance de torture parce qu'elle est tenable et elle est kiffante à piloter. Elle est agréable à piloter, elle est juste difficile, elle est pas réglée. Elle survire en sortie de virage et elle souvire en entrée, c'est un cauchemar. Et les gommes vont pas tenir longtemps. Tu vois, regarde, elle souvire et une fois que je réaccélère, là il faut arriver à passer la puissance. Et ça, c'est compliqué, sais-tu? Ah oui, là je suis en train de perdre mes gommes. Complet. Pourtant je suis parti en médium, donc je les ai peut-être un peu trop dégonflés. Mais bon, ils sont dans la bonne fenêtre, donc ça va. Ma box, je sais pas parce que il va rester deux tours et elle est pilotable, donc je pense que je vais essayer d'aller au bout. Au pire, je terminerai sixième, mais voilà. Si elle est comme ça dans la réalité, le championnat doit être beau en Australie. Mais le championnat est beau en Australie. C'est un des plus beaux championnats du, j'allais dire du monde, mais à travers le globe, c'est vraiment une des plus belles disciplines, le V8 Supercar. Allez, il va rester deux tours. S'il faut, on va s'écarter, on va pas faire le fou avec le garçon derrière. On va résister, hein, mais bon. Guigui qui vient de frôler la correctionnelle, mais bon, on l'aime bien, donc c'est pas trop grave, mais attention. Parce que nous, il va falloir résister au garçon derrière, mais je pense que ça va être difficile. Ah non, mais en vrai, les voitures sont mieux préparées, mais tout à fait d'accord. Elles sont déjà préparées, alors que moi, là, le setup, il a été fait... Il a été fait au schnapps. Elle va die. Elle va mourir. Tu as tué mon frère à stat. Tu vas mourir. Non, mais elle est pas bien, là. Elle est vraiment pas bien. Je pense que la dernière boucle va lui faire du bien. De la fumée. Que s'est-il passé? Et on reste pied dedans. Hein. Ça glisse, mais on reste pied dedans. Ça fait plaisir. Pas d'accord, Maxou. Est-ce que tu as entendu parler du championnat de GT au Japon? Bah, le Super GT est un beau championnat aussi. Enfin, été, il y a 10 ans. Maintenant, c'est un petit peu moins spectaculaire, mais ça reste pour moi... La discipline la plus spectaculaire au monde reste pour moi le BTCC, je trouve. Après, c'est un avis personnel, hein. Il y a d'autres beaux championnats. Attention, est-ce que devant, on n'aurait pas un petit souci? Ah non, j'ai 5 secondes, donc c'est pas lui. Va falloir s'écarter. Faudra m'expliquer votre trip avec Jade là, parce que j'ai pas compris. J'ai peur d'y aller. J'ai peur d'y aller, mais ça va. Finalement. Ah, et visiblement on a soulagé derrière ou... Bon, voilà. Ah, reviens.
Allez, cocotte, un demi-tour. Et c'est fini. Oh putain. Je suis en train de m'imaginer à la seconde où je dis quelque chose que vous allez le retaper sur le chat avec les plus mauvaises pensées du monde. Mais bon. C'est aussi ce qui est drôle. Bon, là devant, il y a une voiture à l'arrêt. On va passer quatrième. Merci. Me voilà. Oui, non, mais je connais tes manos, merci, mais je vois pas le rapport avec la vanne en fait. Alors attention, on a une voiture derrière. Est-ce qu'il va me percuter? Non. Je vois que je suis pas le seul. J'ai plus de pneus. Là, j'ai vraiment plus de pneus. Et là, malheureusement... Ah non, il va me pousser. Non, vous êtes sérieux? Il a mis son essuie-glace. C'était musclé, mais c'était une belle course. Voilà, ça c'est agréable. Ah, oui, non, mais ça va, je connais les gars. Merci pour l'information. Et c'est donc terminé! On a fait une belle course sur Pécard, c'était donc faisable. Ah, c'était sportif, moi j'ai bien aimé. C'était musclé, c'était pas la folie, mais... En tout cas, les pneus ont souffert. Hein. Sur les jantes, quasiment, ouais. Quasiment. Bon, les amis, nous allons lâcher Project Cars. Nous allons lâcher Project Cars et nous allons aller voir du côté de Dirt Rally. Alors, s'il y a des joueurs Dirt Rally, on va faire du rallycross ensemble. Et donc à vous eh bien, de vous préparer. En tout cas, voilà, ce fut viril mais correct. Tant qu'on est dans les Dirt Rally, oui. Et donc, qui a gagné avec tout ça? Est-ce Martin devant Veneno? Eh bien, félicitations. Je plains Maxou demain pour le montage de la VOD, il y a des trucs qu'il pourra pas laisser. Oh si, vous savez, il suffit de mettre un petit Peggy 18 en bas au montage et c'est gagné.